Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du concours international des 24 heures de l'innovation, nous avons choisi de répondre à la problématique suivante. Comment générer de manière intelligente et éco-responsable de l'énergie en milieu urbain? Parmi plusieurs préconcepts établis, notre attention s'est portée sur un système modulaire réalisé en trois parties. Chacune d'entre elles est constituée de matériaux recyclables, propices à leur utilisation. La partie supérieure est constituée de panneaux photovoltaïques, répartis suivant une forme parabolique. Ce choix permet de capter les rayons du soleil, quelle que soit l'orientation et la position de celui-ci, de manière optimale. La partie centrale, quant à elle, se compose d'une éolienne verticale à 4 pales, actionnée par le passage des véhicules à proximité et protégée par une armature en bois pour être fonctionnelle en toute sécurité. Une partie est pourvue de matériaux piézoélectriques, dont le principe est de produire de l'électricité sous l'effet d'une pression. Elles sont sensibles à l'ambiance sonore, mais également aux vibrations transmises par le sol. Ces stimulations sont alors transformées en énergie, puis stockées directement dans des batteries à flux, implantées dans la partie inférieure de l'ensemble. Cette partie assure également le contact avec son support. Diverses utilisations peuvent alors être envisagées. Ce système permettra l'éclairage d'abribus, passages piétons, ou encore panneaux de signalisation dans un rayon de 100 mètres. Autre avantage innovant, il pourra mettre à disposition des bornes rechargeables pour appareils numériques, d'un plan interactif de la ville sur écran tactile, et pourra afficher l'heure ou autre information utile. Son indépendance en énergie constitue un réel atout dans le cadre de la vie urbaine, sensibilisant ainsi les citoyens à leur environnement.